On organise cette conférence en interclub avec la participation de plusieurs clubs de Casablanca, plus que neuf clubs, et avec la présence effective de notre gouverneur, Madame Sadia Glif, d'un membre de la Fondation Rotary, la vice-présidente Madame Guetta Manek, et aussi notre gouverneur élu, Sir Khalid Lkhbej. J'ai été invité par le Rotary Club pour donner une conférence autour de la santé mentale comme quelque chose qui intéresse tout le monde. C'est-à-dire que c'est une responsabilité collective en ce sens que tout citoyen de la place dans laquelle il est a une part de responsabilité dans la santé mentale du pays, et c'est important de le savoir. Et j'ai essayé d'expliquer ce qu'était la santé mentale, comme la santé mentale n'étant pas le fait de ne pas avoir de maladie mentale. On peut être en mauvaise santé mentale sans avoir de maladie mentale, et d'essayer d'expliquer quelles sont les composantes de la santé mentale, et en particulier en insistant sur la nécessité, est-ce que il y ait des facteurs de personnalité, des facteurs personnels qui soit suffisamment bon pour permettre à la personne de dépasser les situations de vie difficiles, et tout cela dépendant aussi de l'environnement global, des systèmes qui existent dans le pays, de ce qui se passe à l'école, du système éducatif, de ce qui se passe dans le travail. Et j'ai parlé aussi des pathologies selon les âges, parce que les personnes âgées commencent à devenir de plus en plus avec des problèmes importants neurologiques et psychiatriques. Les enfants aussi, 20% des enfants ont des problèmes, donc ce sont des chiffres qui alarment et qui nécessitent de prendre en compte la dimension de la santé mentale pour justement prévenir. Et j'ai terminé mon intervention en parlant des associations, des problèmes par rapport aux associations qui s'occupent de santé mentale, et pas seulement, parce que en matière de santé mentale, c'est encore à la limite plus important qu'ailleurs, tellement il y a d'éléments qui participent à la santé mentale. Donc les associations sont un élément essentiel, et ces associations, si on ne prend pas en compte les difficultés dans lesquelles elles existent et qui surviennent au fur et à mesure que les années passent, elles perdent de leur efficacité, alors qu'elles restent un élément essentiel qui peut faire bouger le système par rapport à la problématique de la prise en charge de la santé mentale, et c'est à travers cela que j'ai conclu mes propos.